Les ennuis continuent pour Imran Khan, particulièrement depuis son discours samedi à Islamabad. L'ex-premier ministre pakistanais est accusé de terrorisme. En cause, ses déclarations pendant ce rassemblement, dans lequel il s'est engagé à poursuivre en justice des policiers et une femme juge après l'arrestation d'un de ses proches collaborateurs qui aurait été torturé. Pour terrorisme, Imran Khan risque des années de prison. Renversé le 10 avril par une motion de censure, l'ancien joueur vedette de cricket a depuis organisé de vastes rassemblements contre la coalition au pouvoir.